Ah, c'est pour vous souhaiter la bienvenue. Un éveil palais avec un crémeux au citron, émulsion et vinaigrette, fruit de la passion. Et voici un monsieur pour commencer tout en douceur. En débutant sur la droite, vous retrouverez une fine tartelette de quinoa, guacamole et yuzu. La fougasse au cresson tout au centre. Et on finira en croquant également avec une chips de riz. Côté de poireau, pousse de poireau et vinaigrette de truffe. Merci beaucoup. Commencer sur une mise en bouche autour du végétal à 100% avec l'échalote de Longuet, une partie confite juste dessous, une partie séchée dessus, sorbet beurre blanc et glace beurre blanc sans beurre sans crème, et la bourrache, une bourrache blanche et une mertensia maritima qui est la feuille d'huître que nous produisons nous-mêmes. Bonjour, je suis Romain Butet, le sous-chef de Pascal Favre-Dame. Je travaille ici dans cette maison depuis un an et trois mois. Nous avons trois sortes de pain. Vous avez sésame, fleur de sel, bien figue et raisin. Fleur de sel. D'accord, monsieur. Monsieur, pour continuer autour des Saint-Jacques, Saint-Jacques-Coupelé, donc de Grandville, ici associé au chou-fleur, tuile de chou et amandes. Merci. Lieu jaune ici pour continuer, associé au cresson, crémeux cresson au-dessus avec poudre de silure de Loire. Vous retrouverez la touche orangée présente. Vous aurez également le verre du cresson aliénois présent dessus. Merci. C'est le plat Favre-Dame. Donc c'est le plat 100% végétal. Je vous rajoute une émulsion d'ail des ours. L'ail des ours qu'on a ramassé dans une forêt à Chinon. Et je vous sers avec un petit pain d'alise, qui est une vieille recette angevine de pain, brioché avec un confit d'oignon au vinaigre de l'oignon. Et vous pouvez saucer avec le pain, on ne vous regarde pas. Donc ça c'est un souvenir de voyage, parce que ce soir vous n'avez pas voyagé comme la dernière fois sur les destinations qu'on a faites. Donc c'est du homard breton avec une sauce pad thaï, une sauce thaïlandaise, une salade de mangue verte et poids gourmand. Un petit peu d'exotisme. Alors exotisme, et moi on va aller sur l'originalité d'un vin rouge avec le homard. Alors on est sur une très grande cuvée de rouge, c'est un saumur, la réserve du pigeonnier de chez Guillaume Keller sur le plateau de Brosset, à côté de Douai-la-Fontaine. Thank you.
Monsieur, pour continuer ici autour du riz de veau. Riz de veau que vous retrouvez associé au céleri, légèrement croquant, crémeux sur le côté, shiitake à l'intérieur et on termine sur des points de réglisse. Merci. On retrouve la tradition angevine avec le crémé, crémé d'Anjou, servi léger, associé à la pomme, au coin et au gingembre. Merci. Comment ? T'as tout compris. Désolé, le pâtissier est venu. Attends, c'est ça. C'est sa journée d'essai. Voilà. Bonjour, bah moi c'est Laurent Mercier. Ça fait un an et trois mois que je travaille ici au Favre d'Âne. Voilà. Et fonction ? Fonction, bah je suis pâtissier. Le pâtissier du Favre d'Âne, voilà. Merci. Donc un dessert chocolat sésame et mangue. Puisque même au mois d'avril, on vient de lancer la carte. Il y a 10 jours, mais je me refuse pour l'instant à faire des fraises avant le mois de mai. Voilà. Donc on reste sur la mangue, on se pense.